Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve comme vous le voyez dans le titre sur tout simplement le débunkage du Tauren Paladin. Le Tauren Paladin, évidemment une classe qui a beaucoup fait parler d'elle, puisque c'est vrai que quand on voit ça, hein, on se dit non mais qu'est-ce que c'est que cette merde, Blizzard fait n'importe quoi avec le lore, c'est n'importe quoi. Et on en a tous entendu au moins un joueur dans notre entourage dire ah c'est du grand n'importe quoi, des espèces de vaches sacrées. Ça, au passage, d'ailleurs, c'est pas n'importe quel Tauren random, c'est un héros Tauren Paladin. Pas le premier héros Tauren Paladin, mais on le Desco, un personnage qui apparaît à Mist of Pandaria. Et on le voit avec un marteau des Draenei, des épaulettes que Tyrion utilisait notamment à Wrath of the Lich King. Donc on se dit, attendez, il a une armure humaine avec un marteau Draenei, qu'est-ce que c'est que cette merde? Blizzard, hein, on se disait pour Cataclysme, parce que je rappelle que les Paladins sont arrivés à Cataclysme, mais j'y reviendrai après. On se disait, mais ça n'a rien. Enfin, n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. D'où vient ce délire du Tauren Paladin? Donc on va revenir sur ce qu'est la définition du paladin, parce que le paladin Tauren, est apparu en 2010, mais le paladin, lui, quand est-ce qu'il est apparu dans la licence Warcraft? Donc refaisons un petit point là-dessus. Je vous laisse évidemment, je mettrai dans les fiches en haut la vidéo sur les classes, qui sera quand même assez importante pour comprendre cette vidéo, parce que je vais essayer de faire en sorte que le débunkage soit pas trop long. Mais du coup, le paladin, eh bien, c'est une classe qui est profondément liée à la race humaine. Le paladin est apparu dans Warcraft 2, évidemment sur Warcraft 2 aussi, mais donc tout simplement pour les humains. C'était vraiment l'amélioration du chevalier qui était là pour lutter contre les forces maléfiques, notamment de la Horde. Et en l'occurrence, donc c'était vraiment une création de l'Alliance de Lordaeron, issue de Lordaeron à la base, le royaume de Lordaeron. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de profondément humain. On les retrouvera à Warcraft 3 avec l'Ordre de la Main d'Argent. Donc c'était cette espèce vraiment de composition qui existait déjà à Warcraft 2. Hein. Mais c'est vraiment à War 3 on voit que la Main d'Argent a pris, on va dire, le commandement des troupes de l'Alliance à Warcraft 3, avec eh bien, les héros paladins qui sont humains, bien entendu. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, parce que Warcraft 2, on voit des paladins humains, Warcraft 3, on voit des paladins humains. Et à Warcraft 3, il n'y a pas de paladins autres que humains, en fait. Hein. Les nains ont d'autres races, enfin d'autres classes, etc. Donc on arrive à World of Warcraft où on se dit la conception du paladin est extrêmement humaine. Et le principe aussi, c'est que le paladin était, voilà, cette espèce de combattant, hein, je l'ai, une vidéo sur les classes, mais paladin, c'est vraiment le guerrier, le côté, l'aspect martial du prêtre, entre guillemets. Donc vraiment, c'est l'idée d'un combattant d'une puissance divine, de la lumière. Et la lumière dans le côté très occidental, très chrétien, très judéo-chrétien, à savoir une sorte de déité, même s'il n'a pas de forme, quelque chose d'intangible, qui donne, lors d'une prière, des pouvoirs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, puisque c'est ce qui va aussi, eh bien, rendre ce côté incompatible avec les taurennes. Et pourtant, la définition de la lumière, je vous laisse aller voir aussi la vidéo de l'ombre et du vide, vous en faites pas, il n'y aura pas des milliards de vidéos à conseiller en annexe, mais la vidéo sur l'ombre et le vide, où on voit que eh bien, l'ombre a énormément changé de définition avec l'évolution de la licence Warcraft, et là on revient à une définition première de l'ombre d'ailleurs en ce moment. Eh bien, la lumière, c'est pareil, le sacré, c'est quelque chose qui a énormément évolué dans Warcraft. Donc je ferai probablement un jour une vidéo sur la lumière, spéciale lumière, mais pour faire un petit récap, bah en fait, au départ, la lumière, c'était quoi? La lumière, c'était, d'ailleurs, dans Warcraft 1, c'est vraiment presque, enfin, le symbole d'ailleurs de l'église de la lumière à Warcraft 1, c'est une croix. C'est une croix, c'est vraiment l'idée judéo-chrétienne, la puissance supérieure qui te donne cette force, avec vraiment les gentils prêtres contre les méchants, contre Satan en fait, hein, les démons. Donc à côté de ça, dans Warcraft 2, on va essayer de complexifier un petit peu le délire, mais on reste un petit peu dans ce domaine-là, avec des églises, etc. On reste dans le même aspect, on va dire, judéo-chrétien. Par contre, comme vous le voyez avec cette image, c'est Warcraft 3 qui va entamer un grand bouleversement de la définition de la lumière, avec notamment la lumière qui ne serait pas que judéo-chrétienne dans l'idée, mais avec une nouvelle lumière, à savoir une lumière beaucoup plus animale, beaucoup plus. Alors, une lumière toujours divine, mais un dieu. Alors, déjà, c'est un dieu cette fois qui a une forme, je dirais, un peu plus physique, tangible, à savoir une déesse elfe de la nuit, qui n'est pas une exclusivité elfe de la nuit, on y reviendra après, mais. Et lune, tout simplement. Et lune, la lumière des lunes, n'est pas la lumière du soleil chaude, sacré, etc., mais une lumière de la nuit, en fait. Et du coup, eh bien, on arrive à un changement de vision, avec une lumière qui pourrait prendre plusieurs formes, plusieurs apparences.
Peut-être qu'un jour on aura une extension, un Mark Wayward, une extension sur la lumière, avec différentes, justement, différentes organisations, un petit peu comme les Terres d'Ombre, où la mort est représentée par plusieurs visages. La lumière, c'est exactement le même délire. Et dès Warcraft 3, on avait eh bien, des nuances en fait, de lumière avec différents aspects en fonction de la culture. Et ça, ça vraiment, il va falloir le garder à l'esprit, bien entendu. Donc on élargit la vision de la lumière, notamment en intégrant Elune. Et on va continuer avec World of Warcraft. World of Warcraft, c'est assez particulier parce que dès Vanilla, eh bien, on va encore une fois étendre un petit peu la définition de la lumière. Et là, on pourrait dire, mais attends, à Vanilla, il n'y avait pas de Tauren Paladin. Oui, oui, bien sûr, ne vous en faites pas, j'y arrive. Mais dès Vanilla, on peut trouver des paladins assez éloignés du concept initial du paladin façon Warcraft 2, Warcraft 3. Eh oui, ne l'oubliez pas, à World of Warcraft Vanilla, eh bien, il y a les paladins nains. Ça sort d'où, ça, des paladins nains? Ça n'a jamais choqué les joueurs, moi le premier, ça n'a jamais choqué les joueurs. Mais quand tu reviens sur le Tauren Paladin et tu dis ça n'a rien à foutre là, mais d'où les paladins nains? Alors vous allez me dire, oui mais les nains ils croient en la lumière, etc. Ouais, les nains ils croient en la lumière, pourquoi? Parce qu'en fait ils sont dans l'Alliance, ils sont toujours à côté des humains, etc. Mais au final les nains, les paladins nains, ça choque pas les joueurs parce qu'on se dit, bah ils sont toujours avec les humains, donc on peut imaginer que... Ouais. Mais ça n'a jamais vraiment été expliqué par Blizzard, ça. Et les paladins nains, ça n'a choqué personne. Non, ils croient en la lumière, blablabla. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en dehors de la classe jouable des nains, eh bien, on va retrouver aussi des paladins dans les adversaires. Notamment à Blackrock, donc au Mont Roche Noir, eh bien, nous allons affronter les Dark Iron, les nains sombres fer. Et dans les nains sombres fer, eh bien, nous avons tout simplement des paladins également. Et eux, ils servent qui? Eh bien, ils servent pas la lumière de l'Alliance, tout ça, tout ça. Eux, ils servent Ragnaros. Et ce sont des paladins, du coup, qui représente un concept divin, à savoir Ragnaros. Et on a du coup plusieurs mobs, hein, notamment le Marshal Anvil Rage et le Dark Keeper Zimrel, hein, qui sont eh bien, des mobs que vous pouvez buter à WoW Classic si vous ne me croyez pas. Ainsi qu'il y a d'ailleurs, il y a également des prêtres nains sombre fer aussi à l'époque. Et eh bien, ces mecs-là, c'est pas la lumière de l'Alliance qui servent. Ils servent Ragnaros, ce sont même des esclaves de Ragnaros. Donc, des paladins Dark Iron, des paladins qui sont autres que les paladins de la main d'argent de l'Alliance ou des guerriers des lunes, eh bien, on en a, des Vanilla. Et encore une fois, d'ailleurs, je tiens à dire, sur la vidéo sur les classes, j'en rappelle, mais il n'y a pas de paladins elfes de la nuit, mais le jour où il y aura des paladins elfes de la nuit, ce ne sera pas forcément incohérent, c'est juste que ce serait plutôt des paladins des lunes, en fait. Et spoiler, les prêtresses des lunes, sur le papier, ce sont des paladins distance, en fait. Et du coup, eh bien, arrive Cataclysme en 2010, les Tauren Paladins, et là, les gens s'insurgent en disant, mais c'est n'importe quoi, l'arrivée des fameux Marche Soleil, ces paladins Tauren, qui prient le soleil, Anche, qui a un nom, Anche, la divinité des Tauren du soleil, et ça expliquerait justement eh bien, l'arrivée, l'obtention des pouvoirs. On y reviendra plus en détail, mais ça expliquerait l'obtention des pouvoirs pour créer des paladins Tauren. Et là, on se dit, mais c'est vraiment très étrange. Le lore se barre en couille, on a des Tauren, enfin, on a des vaches de lumière, tout ça, tout ça. Alors, j'ai utilisé ce même, c'est pas pour rien aussi, parce que c'était aussi pour rappeler que Dewo Classic avait eu des petits soucis, notamment avec les druides elfes de la nuit, femelles. Mais d'ailleurs, à Cataclysme, il y a un mini rework qui va arriver sur le druide avec une nouvelle conception du druide, avec notamment le rework d'un sort, c'est le sort colère qui change de couleur avec un côté plutôt jaune par rapport, si vous jouez sur vos classiques un druide, vous lancez vos sorts de colère, c'est vert nature, et à Cataclysme, eh bien, ça devient jaune. Vous savez, maintenant, même aujourd'hui, vous avez encore des sorts druides jaunes, et notamment, eh bien, si vous jouez en équilibre, en spé et ki, eh bien, vous avez la bénédiction d'Anche. Oui, divinité du soleil, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à Cataclysme, du coup, il y a eu visiblement peut-être un petit peu de travail. Et à côté de ça, on va, c'est un talent, la colère d'Anche, je crois, ou le talent, enfin, c'est un talent d'Anche qui a été refait. Et du coup, eh bien, il y a quelque chose qui arrive. C'est parce que cet aspect sacré divin, eh bien, il se voit surtout chez le prêtre, puisque faut pas oublier qu'à Cataclysme arrive également le prêtre Tauren. Et le prêtre Tauren, eh bien, pour le coup, lui, il a choqué personne. Hein. Le travail sur le prêtre avait déjà été fait dès World of Warcraft Vanilla. Toutes les classes, toutes les races quasiment avaient accès au prêtre. Même ce qui limite avait le plus fait couler d'encre, on va dire, c'était les prêtres UD, les prêtres morts-vivants. Mais sinon, bah, prêtres morts-vivants, en fait, l'idée c'était que c'était des prêtres ombres et pas des prêtres lumière. Mais sinon, ça n'avait pas forcément choqué. Les prêtres représentaient bien, encore une fois, la vidéo sur les classes représentait extrêmement bien la diversité ethnique, la diversité culturelle de chaque ethnie, avec l'idée que eh bien, chaque ethnie a ses propres dieux, et du coup, à partir du moment où ils ont des dieux, ils peuvent faire des prêtres, tout simplement. Et c'est assez drôle, parce que le prêtre Tauren, du coup, n'a jamais été accusé d'hérésie, il n'y a jamais eu de levée de bouclier contre le prêtre Tauren. Les Tauren croient en la Terre-Mère, ils ont des divinités, etc.
qu'ils aient des prêtres, pas de rien de choquant. Et ça, c'est très important, puisque ça s'inscrit vraiment dans le cadre, justement, de serviteurs divins. C'est la définition des prêtres, ce sont des serviteurs divins. Et d'ailleurs, les prêtres tauren ont un nom particulier, ce sont les voyants, j'y reviendrai après. Mais du coup, on a, que ce soit d'ailleurs des divinités bénéfiques ou maléfiques pour les prêtres, mais en l'occurrence, les prêtres tauren sont plutôt bénéfiques. On pourrait imaginer bien sûr des prêtres ombres chez les tauren avec des divinités, notamment le clan Grim Totem, mais le clan Totem Sinistre. Mais en l'occurrence, c'est plutôt bénéfique puisque en fait c'est pareil, c'est avec Anche, le dieu du soleil. Donc au final, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc pour les paladins, est-ce que c'est si ridicule que ça d'avoir des paladins tauren? Eh bien, on va revenir un petit peu sur comment les paladins tauren ont été créés, on va dire, dans le lore. Donc, ça vient de fin Wrath of the Lich King, en fait, c'est le pré-patch entre Wotelka et Cataclysm, avec deux personnages qui sont les maîtres des paladins et des prêtres, d'ailleurs, pour les tauren, à savoir Apony Brightmane. Alors, en français, je crois que c'est crin luisant ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Et Tahu Sagewind, alors lui c'est Tahu Vent de Sagesse, un truc comme ça, qui sont, je suis désolé, leur nom en français j'ai du mal, sont les fondateurs, donc ils sont tout simplement les fondateurs de l'ordre militaire des Marcheleil. Alors, parce qu'en fait l'idée c'est que ces deux personnages là reviennent du Northrend, donc de l'opération Wrath of the Lich King menée par la Horde et l'Alliance. Ils ont été envoyés, ils étaient des combattants. Alors en l'occurrence Tahu était un druide et Apony, donc que vous voyez ici, était une guerrière, une combattante. Et en revenant justement blessé de Northrend, en fait, ces deux personnages-là auront une grave crise théologique et philosophique. C'est-à-dire qu'ils vont énormément, suite à leurs blessures et par rapport à l'horreur de ce qu'ils ont pu voir, parce qu'ils sont vraiment traumatisés de ce qu'ils ont vu en Northrend. Donc, pour le coup, quand tu affrontes des armées de morts-vivants, etc., on comprend que ça puisse un petit peu traumatiser, ça puisse choquer. Eh bien, les tauren qui ont été habitués à un autre mode de vie, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément... Enfin, ils ont été choqués. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Et du coup, en revenant blessés justement du Northrend, ils vont avoir une énorme crise théologique en se disant « Mais attendez, comment ça se passe? Comment on pourrait faire pour améliorer les choses dans le monde ?» Et au final, par rapport aux croyances que l'on a, ça bouleverse un petit peu nos coutumes par rapport à ce qu'on a pu voir, à ce qu'on a pu affronter. Donc il va y avoir vraiment une discussion philosophique entre les deux amis, parce qu'ils sont amis, et autour justement de l'équilibre naturel des choses, quelque chose qui est très important dans la culture tauren, hein, la nature, le rapport avec la terre-mère, hein, la mère-nature. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Les tauren ont toujours été proches de la nature, je l'ai dit, et ils voient justement qu'actuellement il y a un déséquilibre, avec une surreprésentation d'un des deux aspects de la Terre-Mère, à savoir Musha. Musha, c'est la divinité tauren qui représente Elune, en fait. Donc, en gros, le côté, on va dire, plutôt nocturne, très présent notamment grâce aux elfes de la nuit, et c'est vrai que pour les tauren, eh bien, l'idée c'est que Musha a commencé au fil des siècles à prendre de plus en plus d'importance par rapport à son entité, on va dire, jumelle, ou son entité sœur, ou frère d'ailleurs, mais qui, une entité donc sœur, et une entité sœur, à savoir, eh bien, le soleil, la lune face au soleil. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose de très intéressant, puisque c'est une inspiration profondément amérindienne. Alors c'est pas que amérindien, il y a énormément de cultures, que ce soit au niveau égyptien, je pense notamment aussi au niveau japonais, avec Izanagi et Izanami. Le soleil et la lune ont toujours été des entités soit mariés, soit frères et sœurs, etc., dans énormément de mythologies différentes. Mais c'est très important dans la culture amérindienne, donc la culture Amérique du Nord, au niveau des Amérindiens d'Amérique du Nord, et justement, alors, dans différentes, d'ailleurs, tribus. Et au final, eh bien, Blizzard va s'en inspirer pour créer justement ces Marcheleil avec l'idée de cette dualité entre l'entité de la Lune et l'entité du Soleil. Musha, la Lune, et Anche, l'entité du Soleil. Et du coup, eh bien, notamment Apony se rend compte qu'en fait, même au Northrend, eh bien, la lumière peut percer les nuages, peut percer l'obscurité et aider justement les tauren à trouver la force pour pouvoir combattre, on va dire, les choses qui menacent l'ordre des choses et l'équilibre naturel. Donc en plus qu'il y ait une surreprésentation de la lune, il y a également cette envie justement de combattre l'injustice et autres, qui sont des grands principes du paladin au final. Et ce qui est assez intéressant, parce que vraiment l'idée que voilà, le traumatisme ait pu créer cette envie ainsi que ce besoin d'équilibre, et on va pas se mentir aussi, il y a le côté PVP, si les elfes de la nuit sont dans l'alliance, on représente aussi la nature, mais beaucoup plus la nuit, et bien du coup les tauren, qui représentent, enfin donc du côté opposé, du côté de la horde, représentent le soleil, et du coup il y a aussi, ça justifie un peu la lutte entre elfes de la nuit et tauren
plutôt chez les côtés druidiques, avec d'un côté les tauren. Les, je veux dire, la classe druide a toujours été représentée par tauren d'un côté, elfe de la nuit de l'autre, et surtout elfe de la nuit. Les elfes de la nuit prient lune, la nuit, donc les tauren prieraient le soleil, sachant que c'est une race qui vit avec des grands pâturages, etc., dans des côtés un petit peu désertiques, notamment Barents. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui montre aussi cette dualité du PVP, hein, le bifactionnisme et autres. Mais en dehors de ça, c'est plutôt bien amené avec l'idée d'un traumatisme, l'idée d'une remise en question, enfin un débat philosophique et théologique, il n'y en a pas tant que ça sur leur Warcraft au final. Donc c'est assez bien amené avec l'idée, voilà, du traumatisme et l'idée de vouloir corriger les choses. Donc t'as eu justement... Donc Taeus Edgewyn, qui était un ex-druide, va créer les voyants, donc les prêtres. Donc un druide qui va créer l'ordre tout simplement des voyants, donc les prêtres tauren. Ça vous montre aussi que c'est pas des prêtres normaux, c'est pas le prêtre dans sa toge avec une petite église. L'idée d'un prêtre tauren, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature. C'est quasiment un chaman en fait, c'est un mélange en fait entre chaman, druide et prêtrise. Donc ça vous fait un fourre-tout, bien sûr, et si vous avez vu la vidéo sur les classes, bah ça devrait pas vous choquer tant que ça. Et du côté d'Apony, c'est une guerrière qui, eh bien, va réussir à s'ouvrir au soleil, et du coup, eh bien, va réussir à puiser dans ses grands principes de justice, d'équité, de combat contre les forces pouvant menacer l'équilibre des choses. Eh bien, elle va trouver la force et elle va réussir à récupérer la puissance du soleil. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que au final, ça ressemble, pour le coup, c'est assez paladin, mais dans le côté tauren, donc avec une très grande approche chamanique et druidique, l'équilibre de la nature, etc. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, parce que c'est les principes du paladin, les compétences, bien sûr, d'un point de vue gameplay du paladin, mais dans une approche qui est beaucoup plus tauren, à savoir très chamanique, très druidique. Et au final, eh bien, on va... Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que Apony, donc Apony Brightmane, eh bien, ça signifie... donc Apony en amérindien, eh bien, c'est pas n'importe quoi ce prénom, il a pas été choisi au hasard, ça signifie papillon. Et c'est assez drôle, parce que c'est une excellente métaphore, je trouve, une superbe métaphore par rapport au fait que Apony, eh bien, a su, dans les combats, etc., se changer, se métamorphoser, sortir de son cocon, s'épanouir, s'élever, et devenir, justement, un papillon. Là-dessus, c'est assez beau, sachant que les papillons ont souvent des couleurs très vives, paladins, et souvent aussi, en plus de ça, les paladins et tous les insectes d'ailleurs, mais c'est très connu pour les papillons, et notamment les papillons de nuit, mais les papillons et les insectes se guident par la lumière du soleil, et la lumière des astres, la lumière de la lune également. Donc le fait qu'un astre guide les insectes, et les papillons sont des insectes, et bien, du coup, pour indiquer aussi, justement, et notamment la nuit, hein, c'est pour ça que les lampadaires en fait posent problème avec les papillons de nuit, puisqu'en fait ils croient que c'est le soleil. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont autant attirés, et ça les perturbe, ça perturbe leur horloge interne, puisqu'ils ont l'impression que c'est le soleil, et ils veulent se rapprocher du soleil pour se guider, et en fait, le soleil, normalement il est censé être plus loin. Donc c'est assez intéressant aussi, le choix de mots n'est pas là par hasard. Donc le choix du nom est vraiment intéressant. Donc on a des soldats traumatisés, un questionnement idéologique, théologique, une évolution de personnage avec cette progression d'idée d'un combattant qui va trouver sa voie, notamment dans un culte qui a été délaissé et ancien, à savoir le culte d'Anche. Sachant que, je le rappelle, pour la Terre-Mère, on nous précise bien qu'en fait, la Terre-Mère a deux yeux, et ces deux yeux représentent justement donc Elune et Anche. Donc il ne faut pas penser que Elune est la Terre-Mère, hein, attention, je vous casse tout de suite cette idée-là. Non, la Terre-Mère, ce serait au-dessus, et en fait, les deux yeux qui représentent les deux yeux de la Terre-Mère sont justement le Soleil et la Lune. Donc Musha et Anche, enfin Anche pour le Soleil et Elune pour la Lune. Et au final, c'est plutôt bon en fait, d'un point de vue écriture, d'un point de vue questionnement, d'un point de vue évolution, on a quelque chose d'intéressant. Et qu'est-ce qui pourrait donc... Parce que sur le papier, on se dit, du coup, c'est pas mal, un bon questionnement et tout, ça pourrait être vraiment bon. Donc qu'est-ce qui peut bloquer dans la tête des joueurs? Comment ça se fait qu'autant de joueurs soient allergiques au tauren paladin? En fait, le problème, il est simple. En 2010, les 7 des paladins sont très humano-centrés. Les paladins, ce sont vraiment les 7 paladins, les armures paladins, sont pour les humains. Et là, je vous ai mis encore des images. Tout à l'heure, c'était Tyrion avec Ashbringer, tout ça. Enfin, c'était l'armure de Tyrion avec Ashbringer et tout. Là, encore une fois, vous voyez des sets très connus du paladin, ça marche pas du tout pour un tauren. Parce qu'on a vraiment le côté croisé, le côté templier, pas le côté, on va dire, combattant du soleil, en fait. D'ailleurs, qui est un mythe extrêmement présent aussi, en dehors de la mythologie avec les dieux du soleil et de la lune, il faut savoir que les tribus, alors je vais pas donner de nom parce que je sais pas si c'est vraiment Cheyenne ou autre, mais les tribus amérindiennes avaient des combattants du soleil. Quelque chose qui existe. On se rappelle souvent plutôt des combattants du soleil aztèques et autres, on va dire amérindiens, mais plutôt du sud.
bien, dans l'Amérique du Nord, il y avait également des combattants du soleil. C'est juste qu'eux, bah, ils sacrifiaient pas des milliers de gens pour, pour le soleil. C'était quelque chose de plus positif, donc à moins marquer les esprits. Donc, au final, c'est surtout les sets et les armures des paladins qui ne correspondent pas du tout aux tauren. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est vraiment dégueulasse pour les tauren. Et ça, c'est clair, visuellement, c'est dégueulasse pour les tauren. Du coup, les tauren, ça a toujours été compliqué. Mais au final, c'est terriblement con, parce que cette histoire, enfin cette classe a une histoire incroyable, une justification de lore qui est très bien poussée, très bien amenée, et ce genre de choses, si toutes les classes pouvaient avoir une évolution avec un personnage qui justement revient traumatisé, et c'est tellement dommage, je viens de faire une vidéo sur Chronicles, mais vous imaginez si dans Chronicles, on nous parlait bien de différents héros, et notamment Apony Brightmane, qui aurait été en fait, plutôt que dire les aventuriers, ça aurait été un des aventuriers. Et du coup, c'est son questionnement, ça aurait été représenté dans Chronicles avec son questionnement interne, etc. Et elle aurait combattu aux côtés de Tyrion notamment, face justement à Arthas et au Roi Lich et aux différentes menaces du fléau. Et du coup, on comprendra encore mieux en fait cette évolution. Quel dommage que Chronicles n'en ait pas profité pour travailler justement ce genre de personnage qui, bah, finalement, en termes d'évolution, n'a pas eu grand-chose après. Donc, c'est vraiment dommage parce que les intrigues sont excellentes. Le problème, c'est que derrière, à Cataclysme par exemple, eh bien, il n'y aura pas d'intrigue concernant les Marshalley en dehors de Mulgore et des zones de départ. Pas de zone de fin, etc. où il y aurait pu avoir un set qui serait beaucoup plus Marshalley. Donc on a une idée de lore excellente, vraiment excellente, travail de dingue, pour finalement un visuel qui ne correspond pas. Donc forcément, il y a blocage dans la tête des joueurs. Et c'est là aussi où on voit que le visuel est important, et c'est aussi là où on voit aussi que les joueurs, malheureusement parfois, eh bien, s'attachent trop au visuel, à la forme, plutôt qu'au fond, parce que le fond est excellent. La forme, eh bien, j'ai presque envie de dire qu'en fait, Cataclysme avait 10 ans d'avance, parce que à Légion, il faudra attendre Légion avec notamment l'intégration des Aurochs sur les îles brisées, pour justement enfin avoir des sets qui font beaucoup plus tauren, et surtout Battle for Azeroth avec l'armure ancestrale des tauren, pour faire enfin un vrai Marshalley, et qui corresponde tout à fait dans le lore. Et du coup, depuis maintenant, il y a pas mal d'idées qui ont été proposés par la communauté, notamment pour designer encore plus d'armure pour des Marshalley. Personnellement, j'ai fait un tauren Marshalley, et avec l'armure ancestrale du tauren, eh bien, ça fonctionne parfaitement. Après, c'est difficile parce que ça sous-entend qu'il faut faire un tauren monté 120, maintenant 60, récupérer directement l'armure, enfin pouvoir monter avec ce perso, et ensuite eh bien, recréer un tauren pour faire tauren paladin. Donc ça peut être compliqué. Ou sinon, ça peut être votre récompense en tant que tauren paladin, niveau 60, hop, vous aurez l'armure vraiment du Marshalley. Donc c'est un problème parce que vraiment l'histoire encore une fois est incroyable, mais c'est les visuels qui suivent pas. Du coup, dans la tête des gens, ça n'a jamais fonctionné. Ça, c'est vraiment triste. Encore une fois, les joueurs se sont arrêtés à la forme plutôt qu'au fond, et ça, c'est vraiment vraiment dommage. Et j'espère pouvoir potentiellement faire changer 2-3 mentalités suite à cette vidéo. Et bon, après, comme je l'ai dit, Blizzard n'a pas fait d'efforts, hein. C'est vraiment même par exemple Apony Brightmane qui avait une histoire intéressante et qui participait dans le pré-patch de Cataclysme à combattre les éléments et autres pour justement ramener l'équilibre dans des choses. Eh bien, ces personnages-là n'ont jamais été réutilisés. Apony, bien sûr, vous allez me dire, si, on la voit dans le domaine de classe de Légion du Paladin. Ouais, et comment on la retrouve? On la retrouve dans une espèce d'apparence de bioman à la con, avec un tauren de la main d'argent. Un tauren de la main d'argent. Un tabard de la main d'argent pour un tauren. C'est pas possible. C'est littéralement ce qui va pas, en fait. C'est que du coup, tout ce qui est paladin autre que humain, même un elfe de sang, un chevalier de sang, avec un tabard de la main d'argent, c'est choquant en fait, c'est juste choquant, ils n'ont rien à voir, la main d'argent c'est quand même toujours quelque chose qui a été profondément lié à l'alliance, chevalier de sang, ils n'ont rien à foutre avec un tabard de la main d'argent, alors les elfes, comme ses côtés, ouais ça a été à l'alliance et tout à une époque, ça choque moins, un tauren ça choque directement bien entendu, mais c'est tout aussi choquant, donc le tabard, le problème en plus c'est que ce personnage Apony n'a pas été développé dans les extensions d'après, j'ai envie de dire comme tous les tauren, hein, c'est pas propre au Marshalley. La plupart des tauren, les gens s'en foutent, à part à Aurok, parce qu'on développait une nouvelle ethnie, ou à Mistopana avec les Yungol, mais sinon les tauren de base, on les a quasiment pas développés, il y a que Bane et encore, il a du mal parfois, Pepper, à être développé, donc il n'y a pas eu autant de levées de boucliers contre les Andalari trolls qui sont arrivés avec Battle for Azeroth, parce que pareil, l'histoire est intéressante, on a créé le Loa Rezan, qui est le Loa des Rois, le Loa de la Lumière, etc. Et du coup, eh bien, les prélats, les combattants, l'ordre militaire qui sert ce Loa, les prélats de Rezan, eh bien, ça passe très bien, surtout qu'ils sont arrivés avec plein de visuels, des espèces de guerriers du soleil, etc. Faire un paladin Zandalari, c'est très facile, ça fonctionne du tonnerre. Donc, là-dessus, j'espère vraiment
que cette vidéo pourra faire changer, vous faire changer d'avis concernant votre conception des Tauren Paladin, parce que justement l'idée, le fond est quand même très intéressant. Peut-être qu'un jour eh bien, ces personnages-là seront davantage mis en avant. Et d'ailleurs, je finirai cette vidéo sur une citation, et une citation qui date de World of Warcraft Vanilla. Ce sont les PNJ Tauren, que ce soit femelles et mâles, ils disent tous une chose en commun quand vous fermez une conversation, vous fermez une boîte de dialogue, ça vous dit quelque chose. Ces Tauren-là vous disent justement que le soleil éternel brille sur vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et ce soleil qui doit briller sur vous, évidemment, c'est celui d'Anche, qui a toujours guidé les Tauren. Je rappelle que c'est une race nomade à la base. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager à tous ceux qui considèrent que les Tauren Paladins, c'est complètement con, ça n'a aucun sens. Maintenant, avec BFA et avec Shadowlands, vous aurez des armures pour pouvoir justement mieux intégrer vos marches-soleil, donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager tout ça. Que le soleil éternel brille sur vous. N'oubliez pas le petit follow, le petit like, la petite cloche, l'abonnement YouTube, tout ça. Bisous.